Hey, coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais, vous en rêviez sûrement ou sûrement pas. En tout cas, moi, après avoir tourné la vidéo d'un adulte et 7 bébés en autonomie totale, j'étais très frustrée parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à gérer toute seule. Donc j'ai voulu mettre ma main à la pâte. Je pense que je suis maso. Et en même temps, bon, bah écoutez, hein, si ça vous fait rire, ça vous fera rire. Hein. Alors c'est parti, on les retrouve tout de suite. En vidéo. Le lieu du crime, c'est ici où on retrouve Valentine et ses 7 enfants. Je réitère, c'est toujours les mêmes. Liam, Nora, Jai, Aemon, Jill, John et Mai. Les enfants n'ont ni été nourris, ni cajolés, ni rien du tout. Elle est au top de sa forme. Ça va pas durer très très longtemps. C'est parti. En tout cas, peut-être que je vais parler à tous. Gazouiller, parler comme ça, ça va leur faire leur social tout de suite. Et c'est gagner un peu de temps sur d'autres je suis triste, maman, occupe-toi de moi, parce que j'ai pas eu de social. Personne ne pleure pour l'instant, c'est un début qui fait du bien. Ça y est, ça pleure. Tu veux quoi? Soin du bébé, nous allons le nourrir au bibi. Non, pas au bibi d'ailleurs. Non, pas au bibi. Bibi, oh merde, parce qu'après on aura plein d'ordures à faire et tout. C'est quand même le premier bébé qui pleure, donc on s'en occupe. Ok. Et un biberon par terre. Un. Oui, t'as raison, va jeter le biberon, pas le bébé. Ah ! Quoique. Bon, je la laisse regarder la télé, effectivement, elle peut. Il y en a 3 qui dorment. Combien de temps ? Ça va durer. Ça y est, les premiers cris, qui c'est Nora. Nora, alors attends, parce que toi, tu vas faire n'importe quoi. Va nourrir biberon, tu vas gazouiller aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, niveau 2 d'éducation, c'est pas mal. Ah, voilà, les ennuis commencent. Il y en a un deuxième qui pleure. On va commencer à faire vraiment la bouffe, hein. Pour l'instant, ce sera la bouffe. Ah, ça y est! On a aussi John. Quel plaisir! Allez! Et cette fois-ci, c'est Jae qui chiale. J'en ai encore un autre qui va pleurer? Ah non, j'allais dire oui, ok. Par contre, madame, je t'ai pas demandé de faire ça, en fait. Faire la grimace. Tu te prends des initiatives qui ne vont pas avec mes choix, là. Non, mais clairement. Toi, tu veux quoi? On va te nourrir. Allez, toi, on va te nourrir aussi. Passer par toutes les nourritures. Tu veux pas... T'as pas faim, toi? Eh ben, tant pis, tu mangeras pas. Plus jamais, d'ailleurs. Mais je te demande pas de faire ça. Tu le poses. Allez. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en plus, si elle fait n'importe quoi et qu'elle fait pas ce que je lui demande, ça va pas aller. Hein. Allez, Liam pleure. Liam pleure. Liam, on va lui donner à manger aussi. Voilà. Hey, tu fais ce que je te demande. Ça ira très bien. Allez, ça repleure. Quoi? On t'avait juste changé la couche. Hop, c'est reparti pour le bibi. Ah, ça y est. On en a 2 qui se sont mis à pleurer. Alors, meuf, moi, j'ai entendu Aemon en prompt. Donc, tu vas nourrir Aemon en prompt. Alors, tu vas nourrir le biberon. Puis, lui... Tu vas le bercer, puis toi, tu vas changer la couche. Attends, j'en ai 3 d'un coup, là. On va y arriver, on va s'en sortir. Ah, attention. Alors, tu vas pas le bercer, tu vas changer la couche. Faut y aller directement dans le problème, hein. Le problème, c'est du caca. On change le caca. Par contre, arrête de faire bébé qui pleure, là. C'est moi qui te dicte. Oh, la vache. Oh, j'en ai 4 maintenant, Kika. Et toi, tu veux quoi? Je sais pas, on va te bercer. Ok, ça c'est ok. Ici, c'est ok au niveau de la couche. Et ici, c'est un câlin. Et tu vas jeter les couches. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Bébé qui pleure. Non, tu fais pas bébé qui pleure. Ouais. Il y a une couche aussi assez à changer. Soin du bébé, changer la couche sale. Ok. Et lui, il continue de gueuler, d'accord. C'est peut-être le biberon. On va retenter le biberon. C'est peut-être pas le meilleur moment pour... Qu'est-ce qu'elle veut, la vampire, là? Dégage. Fous le camp. Go. Voilà. Allez, la couche à changer ici. Le câlin là-bas, bébé qui pleure, tu le fais pas, c'est moi qui te dis de faire. Clairement, il est minuit 14. Ah, j'allais dire punaise. Si t'as le time, tu dors, mais... Une autre fois, peut-être. On va essayer le biberon également. 2 pommes de terre de calice. Tu veux quoi, toi? On t'a déjà fait tout, en fait. Nourrir, biberon, alors on va refaire bibi, hein. Je suis sûre que c'est pas ça, en fait. Ah si, bon, j'ai rien dit. Allez, une couche à changer par ici. Non, mais tu fais pas bébé qui pleure. Oh là là, mais on en a une autre aussi. Tu veux quoi? Tu as faim? Ah là là, encore une autre là. Ah là là, oh là là. Ah bah dis donc. Je pensais... Non, on s'en fout. On va pas montrer à qui que ce soit en fait. Je suis perdue dans les menus. Je suis perdue dans les menus. Tu fais pas bébé qui pleure. C'est moi qui te dis ce que tu fais. Oh là 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 là, j'en ai 4 qui pleurent. Mais on s'en fout, donne-le pas. Allez. Non mais elle prend des facilités que je lui ai pas demandé en fait. Sachant que je sais plus ce que j'ai lui demandé de faire. Ok, toi, tu es là. Soin du bébé, nourrir, biberon. Allez, on verra. Et toi, je sais pas ce que tu veux. Je t'ai déjà donné à manger. Oh là là. Et toi, c'est la couche. Terrible, c'est terrible. Oh, t'en as un autre. Allez, dis-moi pas que c'est la bouffe quand même là. Je les ai tous nourris déjà moi. Et j'en ai encore 4 qui gueulent. Allez. T'en as, c'est vraiment juste social. Donc c'est vraiment relou en fait. Parce que c'est pas indispensable le social.
franchement. Deux qui pleurent. Ok, soin du bébé, nourrir au biberon. Allez, t'as 5 minutes. C'est pas ça. Ah là là, mais ça, si c'est des bébés chiants aussi, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ok, tu vas bien. Allez, tu nettoies ça. Tu nettoies les bibs. Tu manges ton cuit. N'importe quoi. Ah, bien sûr. C'est toujours au moment que je dis ça, il y en a qui se réveillent, évidemment. Évidemment. Allez. À la chaîne. Je vais quand même lui faire bouffer ça, sa tranche, là. Ça lui fait du bien, voilà. J'en ai deux qui pleurent. C'est un bibi par ici. De l'autre côté, c'est un bibi, peut-être un bibi, on sait pas. Mais allez, pose-le! Ah là là, pas besoin de faire des sentiments, hein. Mais c'est encore toi! Ah, va gazouiller. C'est bébés qui ont tout et qui continuent de gueuler, quoi, en fait. C'est ça qui est chiant. Bah, elle aime pas le cake cette fois-ci, dis donc. Tu veux quoi, gamin? Ah, on perd du temps à te parler. Pendant ce temps-là, t'en as d'autres qui hurlent, hein. Je te dis ça comme ça, hein. Vraiment, là. Allez! Oh, j'adore les enfants. C'est pas vrai. Mais allez, c'est bon, là, tu mets trop de temps, Janine! Oh là là! Mais je t'avais demandé de faire lui en prompts, en fait. Attends, je rase tout ce qu'elle fait parce qu'elle m'énerve. J'ai dit non, tu fais pas. Oh là 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 là! Allez, dépêche-toi! C'est une couche par ici, c'est une couche par là, et c'est encore une couche là. Et après, tu feras ta couche à toi. Allez, zut! Bébé qui pleure, je veux pas que tu fasses bébé qui pleure. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé ça! Eh, mais c'est insupportable, en fait! Ah non, mais le truc automatique, c'est quand même de la bande grosse chiasse, hein. Je veux pas être méchant. Mais ok, j'en ai encore deux autres là. Allez, tac tac tac. Non, pas changer la couche, je fais n'importe quoi. C'est pas bébé qui pleure, tu m'énerves. Nourrir au biberon. Ici ça pleure, soin du bébé. Nourrir au biberon. Tu vas pas le tenir dans tes bras, arrête. Oh là là, je dis plus le nombre que j'ai qui pleure. Sinon il y en a toujours un qui se rajoute à ce moment là. Ça y est, elle a ses vapeurs. Mais laisse-le, mais quel temps perdu. Fais ça, hop, changer couche sale derrière toi. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Terrible! Qu'est-ce que c'est long! Alors, attends, je me suis re-embrouillée dans les trucs parce que ça se confond et tout. Couche sale, voilà, serré dans les bras. Ici, ça sera serré dans les bras, voilà. Mais ouais, mais il y en a qui sont chiants aussi. Ils ont tout, ils ont déjà tout vu. Bah non, mais ils réclament quand même. Non. Bon, allez! Abrège! Oi. Mais je t'ai demandé de faire ça? Je pense pas, hein. Allez! On a une tournée de couche sale. Ouais. Faut que je surveille ce qu'elle fait parce qu'elle fait nawak, hein, quand même. Hein. Quand ça dure trop longtemps, l'interaction. Et en plus, il est pas content. Donc, casser les burnes, c'est qui? C'est Liam. Liam, il est où? Liam, il continue de gueuler. Donc, c'est peut-être un bibi qu'il a besoin. Là, il y a re serrage dans les bras. Liam a très faim. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Alors, tu abrèges ça, s'il te plaît, bébé qui pleure. Voilà. J'ai demandé abréger. Abrège! Oh! Tu changes la couche là, tu fais rien d'autre. C'est pas possible ça, dis donc. Allez, Bibi, allez, réveille-toi là. Ouais, tu vas pas dormir beaucoup, moi je te le dis, hein. C'est ça de faire des gosses aussi, hein. Oh là là, soin du bébé, on va tous les nourrir encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent à chaque fois. Non, pas bébé qui pleure, c'est moi qui gère, c'est moi qui suis aux commandes, au pilotage. Mais l'autre il s'est endormi, donc si je le réveille, je vais le réveiller, il va hurler. Donc on va attendre. S'il dort, eh ben il dort. Ah, ouais, pourquoi j'ouvre ma tronche moi aussi? Pourquoi j'ouvre ma grosse tronche? Pourquoi j'ouvre ma grosse tronchesse? Je suis mazo. En fait, je suis complètement mazo. Maé a très faim. Oui, mais Maé est où? Maé, non, Maé, elle est là. Oui, mais Maé gueulait pas aussi, il y a 5 minutes. Alors, qu'elle ferme sa tronche, Maé aussi. Parce que moi, j'en ai plein qui gueulent, hein, donc faut que je sache qui c'est qui gueule pourquoi. Et quelle est l'heure de priorité, hein. Bon, donné, tu prends un ticket, t'attends quoi, hein. J'en ai 3 qui pleurent, j'en ai 3 qui... Non, tais-toi. Tu fais pas bébé qui pleure, c'est moi qui commande. Tenir le bébé dans tes bras, non. Et arrête de faire tes vapeurs. Tu sais que t'es en santé conneries, c'est pas comme ça que t'iras dormir. Hein. Voilà, bébé ici. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont à chialer aussi, ces gosses là? Ah! On les change, on les nourrit, ils veulent... Moi, je veux du social, parce que quand même, tu vois... voilà, je veux dire, je suis un animal social, moi aussi. Oui, nourrir, ouais, ok. Alors, bah, t'en profiteras pour lui changer le cul, alors. Et ici, ça pleure, donc on va foutre au bibi aussi, hein. Allez. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, merde, hein. Mon Dieu, que c'est long. Il y a toujours 4 qui gueulent. Oh la vache. J'en ai que 2 qui gueulent, mais alors ils font du bruit. Ouais, c'est reparti dans l'autre sens. Tu mangeras quand tu feras ce que je te demande. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, pas tenir dans les bras, mais bordel à cul de merde, de chiotte, de pute, de salope, hein. Mais tu fais quoi? Tu tiens pas dans les bras. T'as 3 couches à changer, là, allez, go. Au moins, on les nourrit. S'ils chient, c'est qu'on les nourrit. Voilà, ça s'endort direct après. Alors, ok, on passe ici, parce que là, ça gueule aussi. Hop, change les couches sales.
Toi, tu veux quoi? On va te foutre le bébé, je te jure, si c'est pas ça, je te fous dehors. Mais tu veux quoi, toi? Tu veux l'argent du pape et le pape? Ah, tu me les casses aussi, toi. Ah, bon sang, c'est l'anniversaire de Liam. Ouais, oui. Allez, on a 24 heures Sims à tenir encore. Mais tu veux quoi, bordel? Ah, elle voulait bouffer aussi, mais j'ai l'impression que je les ai déjà tous nourris 40 fois, là, d'affilée. Ah! C'est l'anniversaire de Nora de Jay Diamond. Mais tu te fous de ma gueule, tu viens de bouffer. No way. No way, baby. C'est l'anniversaire de Jill, de John et de Mae. Allez, dans 24 heures, Sims, on est débarrassé. Ça va, je suis pas encore énervée à fond. Oh bah, de toute façon, elle va s'évanouir. C'est terrible, hein. Non, tu fais pas bébé qui pleure, je t'ai dit. Par contre, la baraque, elle va être aussi sale que quand elle le faisait elle-même, hein. Non, mais regardez, j'en ai trois qui gueulent. Il y en a qui gueulent pour R. Je suis désolée, je leur ai déjà donné à bouffer. Oui, vas-y, va. Mais elle a déjà bouffé il y a 5 minutes. Mais c'est pas sérieux. Ah, je vais donner Bibi à tout le monde, hein. Et fuck la life, hein. Et tu fais pas bébé qui pleure, je t'ai déjà dit. Allez, tu nerfs. Putain, ferme sa vieille tronche. Oh, Eliam qui s'y met aussi. Allez. Ah, c'est pas vrai. Mais elle se ferme, ça met sa grande gueule celle-là. C'est quoi, tu vas dormir après? Ah ouais, ça chiale, je m'en fous, hein. Merde, hein. Ah, oh, l'enfer. Ils sont tous en train de chialer. Non, meuf, alors on va procéder par étapes. Tu viens ici et je te jure que tu fais ce que je te demande. Changer la couche. Plus. Changer la couche. Allez, changer la couche. Plus. Changer la couche. Allez, 4 couches d'affilée. Allez, arrête, c'est bon, t'as dormi. Je t'ai mis au lit déjà. Allez, tu fais rien d'autre. Tu fais la couche. Ici. Ici. C'est des exigeants qui cassent les couilles. Ils ont besoin de repas de couche. Allez, cette fois-ci, tu vas foutre du bibi. Pour les 3. Oh, l'enfer. J'en ai qu'un seul qui... 2 qui dorment. C'est déjà ça, hein. Ça, c'est des exigeantes. C'est des petites connasses, hein. Ça, c'est des petites merdes, hein. On les regarde pas, on s'en fiche, hein. C'est que du social. Aymon a très faim. Oui, bah, Aymon va manger, hein, juste après. Donc, ne vous inquiétez pas. Pas de bébé qui pleure. Aymon mange, voilà. Aïe, 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 aïe. Nourrir, j'ai dit pas de bébé qui pleure. Aymon avait la grosse dalle, hein. Ah, le dernier s'est endormi. Et encore, ça va, je suis zen, en vrai. Mais les 3 qui gueulent, mais c'est pas pour un biberon, mais vous pouvez pas gueuler pour un biberon, là, on est d'accord? Eh ben, il y aura personne qui aura un biberon, d'accord? Personne! D'ailleurs, tu vas nettoyer en te réveillant. Comme ça, nous, on clean un peu la baraque pendant que vous hurlez. Parce que moi, je vous hurlais pour une raison. Eh, fais le ménage. Effectivement, après, t'iras pisser. Tant pis si ça gueule, après, tu mangeras un morceau. Non, mais regardez-moi, il y en a partout, c'est pas possible. Il y a tellement de biberons. Et de couches. Putain, elle va se pisser dessus. Nora, très fin. Mais Nora, tu me les casses aussi. D'accord? Allez, on n'a même pas le temps de dire bonjour, bonsoir. On n'a même pas le temps. En fait, ils veulent toujours bouffer H24, ces machins. H24, ça bouffe, hein. Eh, pisse-toi dessus, ça va te libérer. Voilà, c'est bien. Non! Mais non! Je t'ai demandé de nourrir elle. Tu te fous de ma gueule ou pas? Allez! Allez, Valentine! Et tu changes la couche. Lui, tu changes la couche. Purée. Il y en a qu'un qui chiale pas. Mais il suffit que je le dise pour qu'il se réveille. Allez. Tac, tac. Bébé qui pleure, bébé qui pleure. C'est no way. Bon, ça c'est fait. Bravo. Alors, après, tu veux encore une couche sale ici. Une couche sale là. Allez, vas-y. Ok, tu sais, après tu vas manger. Non, je t'ai pas dit. Non, tu vas manger. Faut te nourrir. Niveau 6 de l'éducation. Ah, Jill a très faim. C'est qui Jill déjà là-dedans? C'est là. Non mais c'est bon, à un moment donné, merde, hein. Bon, c'est quand même pas évident non plus, hein. Même si on gère nous-mêmes, hein, clairement, c'est... Mais on va y arriver, moi je pense que je vais pas perdre d'enfant. Non, tu vas pas tenir bébé dans les bras, tu vas pas faire bébé qui pleure. On a dit Jill a faim, Jill a faim, voilà. Lui, il a faim, allez, nourrir. Hop, bébé ici a faim aussi. C'est bien, maintenant, la niveau 6, éducation, ça c'est du social, on s'en fout. À un moment donné, le social... Aymon a faim. Oui, on arrive. C'est la prochaine sur la liste. Après, ici, c'est la couche. Ici, c'est encore la couche. John a très faim. Ok. John, c'est là. On fait chacun son tour. Voilà, les couches, les trucs. Ok, le bibi pour John. Eh merde, va tomber dans les pommes. On revient, John, t'inquiète. Te nourrir. Ensuite, ce sera la couche. Là, il y a une couche. Non, mais les bébés, ils pleurent même pas parce qu'ils sont sales. Ils pleurent parce qu'ils ont besoin de social. Allez, go. Oui, on sait, John, t'as faim. Voilà, comme ça, c'est fait. Oh, c'est horrible. Voilà, on va faire ça de loin. C'est bien aussi de loin, hein. Bébé qui pleure, non. Bébé qui pleure, non. Voilà. Changer la couche sale, oui. Ah!
Alors, tu as un répit. Enfin, un répit. Ça gueule quand même, hein. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'elle dorme, quoi. Jae a très faim. Voilà, c'est ce genre de message qu'on va attendre. Jae. Jae dort, hein. Jae dort, elle n'a pas besoin de nous. Vas-y, tu vas nourrir Jae qui va se mettre à hurler, forcément. Faut savoir prioriser, hein. C'est horrible. C'est intenable. Mae a très faim. Oh la vache. Mae, c'est là. Hein. J'étais en tournée de social, mais... Non, mais voilà, ils ont du social et ils gueulent quand même. Hein. Clairement, c'est du foutage de gueule, en fait. C'est terrible. Je sais même plus où je clique, tiens. Ok, c'est intensément insupportable. Hein. Clairement, je sais pas pourquoi on s'impose ça à nous pauvres youtubeurs. Hein. Attends, tu l'allaites, je t'ai pas demandé de le faire. Mais ça gueule encore alors que... Mais seriously, en fait, on vient de s'occuper de vous. Mais je t'ai pas demandé de l'apaiser, hein. Oh, t'as toujours elle qui casse les couilles, là. Ça commence légèrement à se calmer, on a que 3. Mais non, parce que le social, sérieux, c'est relou, quoi. Ah, allez, 2 bibis ici. Oh là 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 là. Ça ne s'arrête jamais. Aemon a faim. Mais Aemon... Mais tu viens de bouffer. C'est terrible. C'est des estomacs, des aspirateurs à nichons sur pattes. Oh là 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 là. J'essaye, hein, mais c'est... C'est insupportable. Ils ont un besoin social qui est terrible. Je nourris ce que je peux nourrir. John a très faim. Allez, John a très faim. John, il est là, juste là. On va s'occuper de John. Allez, nourris John. Nourris John. Ah bah, tu peux pas. À chaque fois qu'elle doit nourrir John, elle se tombe dans les pommes. Hein. C'est John pomme. Hein. Allez, hop. De toute façon, ils vont bientôt grandir. Logiquement, j'en perds pas. Logiquement, je ne perds pas d'enfant. Allez, Valentine. Allez, ma belle. Y est presque. Oui, mais toi, c'est du social, donc tu en auras pas. Dis-toi que le social ici n'existe plus. Elle n'est pas assistante sociale, votre mère. Ce n'est qu'une humaine Sims. Oh là là, et puis ils se sont tous chiés dessus, c'est terrible. Je sais même plus ce que j'ai demandé. Donc je préfère arrêter et refaire. En même temps, les couches, c'est super rapide à faire, logiquement, donc c'est ok. Hein. Ah, ça y est. Liam est le premier à grandir. Hop. Ah bah dis donc, c'est toujours ça de bien. Telle une mère exemplaire, elle va tomber dans les pommes à côté de son premier enfant. Il y en a deux. Pouf! Jae sera orange et Nora sera rose. Magnifique animation sur le petit... Aemon grandit également, sera un ver de terre. Oh la vache. C'est terrible, au moins ils ont réduit l'étape de bébé. C'est quand même plus faisable que quand il y en avait pour 3 jours. Bon, de toute façon, elle se plaint, là. J'ai faim, nanani, nanana, ça va pas. Voilà. Il y en a 3 qui vont grandir, ça veut dire. Tout à fait. Attention, ça gigote. Pfiou, Mae sera un ver de terre. Jill sera un soleil. Et John sera un... Je sais pas quoi, ou lapin orange. Magnifique. Ah, oh, tu sais quoi, ma belle. Je te jure, fais-toi plaisir. Tu vas pas voir les bébés, hein. J'allais dire, ils pleurent plus. Mais en fait, juste un peu moins. Et j'en ai perdu aucun! Et ça, c'est parfait. On referme donc cette page sur cette petite histoire, ce petit aparté où je gère de nouveau 7 bébés. Je l'avais déjà fait en live, mais à l'époque, c'était les anciens bébés. Et en plus, c'était les... il y en avait pour 3 jours, je crois. Donc, c'était nettement plus compliqué. Puis, je n'étais pas préparée réellement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le mot de la fin, ce sera... La ferme! Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.